Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau Retro Rails Gaming sur Mario Super Mario World 2 Yoshi's Island. Donc comme vous le voyez, c'est un jeu sorti sur
Super Nintendo en 95 développé par Nintendo, avec dans cette cinématique de début de jeu une 2D et demi, limite de la 3D grâce à la puce de la Super Nintendo. Et pour l'époque, c'est très très beau. Donc on va se lancer assez jeu. Ensuite, une petite partie pour expliquer aux personnes qui n'y connaîtraient, enfin qui ne connaîtraient pas, mais ça m'étonnerait, les principes du jeu. Alors là, nous avons 8 Yoshi avec un Mario. Voici l'île où vivent tous les Yoshi. Actuellement, c'est la panique, car un bébé est tombé du ciel. Il réalise que le bébé semble savoir où il veut aller. C'est connu, les jumeaux sont télépathiques. Yoshi décide donc de relayer le bébé. L'aventure de Yoshi et du bébé va débuter. Voici l'île de Yoshi. Lorsqu'un ennemi vous bon. Blablabla. Bon. Je vais plus vous l'expliquer. Donc en gros, vous voyez, c'est très beau. Il y a une 2D demi magnifique. Un petit peu cartoon, dessin, etc. Donc en gros, ce qui se passe. Donc je contrôle Yoshi avec les directions. Je peux le faire les regarder. Oh oui, en bas pour faire bouger le décor. Avec B, je saute. Si je maintiens B, je peux planer sur quelques secondes. Voilà, et je peux courir en étant au sol. Bon. Ça marche aussi avec X. Avec Y, je peux avaler. Je peux recracher aussi avec Y. Voilà. Et si je... Voilà, alors dans Start c'est la boss, donc vous voyez dans chaque niveau il y a des étoiles. Les étoiles correspondent en gros à une seconde de récupérer. Vous voyez en bas j'ai 10 étoiles. Ça correspond en gros, enfin dès que un ennemi me touche, j'ai 10 secondes pour reprendre Mario qui va être dans une bulle. Sinon le stage est fini. Il y a 20 pièces rouges dans chaque niveau et 5 fleurs. Et 5 fleurs à la fin vous débloqueront un stage bonus qui vous permettra de regagner de la vie. Alors ces blocs que vous voyez ici, si vous les frappez, vont s'agrandir pendant un certain laps de temps. Voilà, et là ce sont des blocs qui vous permettent d'avoir des informations. Voilà. Voilà. Donc moi ce que je vais faire c'est que je m'en fous et puis je vais faire ça. Non, je veux pas faire ça. Voilà. Là ces petites bulles vous permettent de sauter plus haut, c'est des tremplins on va dire, et là des plus gros tremplins. Alors aussi avec ses ennemis. En les avalant, en appuyant sur la flèche du bas, je peux faire un œuf. Comme vous le voyez. Et en faisant A. Et en le maintenant, je peux choisir la direction dans laquelle je peux le poser. Et en appuyant sur A, et ben je lance l'œuf. Et LR ne sert à rien. Voilà. Donc ça, c'est le niveau d'introduction. Donc comme vous voyez, il y a... Ah, ça se décompose comme un jeu Mario basique. Vous voyez? Il y a 8 mondes qui sont définis ensuite par un château. 2 milieux de monde et un de fin de monde. Donc je vais quand même essayer de faire un monde entier si je me démerde bien pour vous montrer tout le jeu. Alors vous voyez, premier monde en gros c'est didacticiel, faire des œufs. Donc en gros faire les œufs, je vous ai expliqué, vous avalez, vous faites flèche du bas. Alors ça marche avec tout type d'ennemis. Seulement vous avez un nombre limité. Enfin. Voilà. N'importe quel ennemi sauf cela évidemment. Donc cela, on s'en débarrasse à coup d'œuf. Annuler. Vous ne pouvez pas qu'on peut pas annuler.
Si, on peut annuler avec Y pour lancer. Voilà, là, vous voyez, là, je ne parle d'œuf, j'ai donc un nombre limité d'œufs. Donc là, vous voyez, il y a aussi ceci. Alors, ceci, ce sont des nuages spéciaux. Il suffit de les viser pour débloquer des secrets. Donc là, ça a débloqué des marches. Et vous voyez déjà des pièces rouges, et il y avait, reviens là le masquasse, il y avait un masquasse avec un secret. Où est-il? Où est-il? Je ne le vois plus. Où es-tu? Où es-tu? Où es-tu? Il n'est plus là. Tant pis. Et aussi dans certains niveaux, mais je vous le montrerai plus tard, et bien il y aura des petits mini-jeux à faire. Donc là, ce que je vais déjà faire, supprimer ça et ça, afin d'accéder au tuyau. Bien sûr, avec chacun des choses étranges et ésotériques dedans. Alors ceux-ci sont des blocs qui vous permettent de récupérer des œufs jusqu'à que vous en possédez la moitié. Ah là, alors ça très important. Alors voilà, ceci ce que j'ai attrapé là, c'était des étoiles. Ah, ça rebondit, c'est bien ça. Un one up aussi. Et aussi, là, ce sont des, donc les étoiles qui me permettent de gagner des secondes. Sauf que les étoiles sont éphémères et disparaissent, ouais. Disparaissent assez vite. Et là, ça me fait chier parce que je peux pas y aller. Pas grave. Ah bah oui. Voilà, pour y aller vite. Voilà. On remonte tranquillou. Voilà. La petite fleur. Allez, voilà. Et voilà, ça commence. Voilà, si vous tardez. Voilà. En gros, là. Et le seul point noir que je peux poser au jeu, c'est sa maniabilité. Yoshi, lorsque vous cessez de marcher, met beaucoup de temps. Ouais, il y a une animation de... Enfin, il y a un loop d'animation de marche qui est assez long, je trouve. Non, reviens. Hop là, 2 secondes. Donc là, ça fait une graine qui, par la magie, devient un escalier qui monte. Voilà, c'était beau. Donc là, les rochers qui brisent tous les ennemis. Enfin, qui brisent tous les ennemis. Alors, ces ennemis-là, ultra chiant. Parce que, ouais, là, ça rebondit, c'est trop drôle, lol. Je récupère des petites secondes. Et voilà, alors ici, vous voyez, j'ai raté une fleur. Est-ce que j'aurais peut-être droit à un niveau bonus si ça tombe sur une fleur? Non, dommage. Tant pis. Et donc là, ça passe à un autre Yoshi pour un autre niveau. Bon, le tableau de score assez useless pour le coup. Vous pouvez perfecter le jeu à 100%, mais voilà. Hop, deuxième partie du niveau. Garo toutou bombe. Voilà. Voilà, genre ce... Ah oui, il y a un truc qui avait volé. Je sais plus comment ça s'appelle ces machins là. Vous voyez, en arrière-fond, c'est très beau. Oh là là. Là, hop, je vis juste ça, les mecs. Alors, ceci en fait, ce sont des allées sans retour en gros. Et là, c'est un checkpoint.
tout bonnement et simplement. Alors ça, ce sont des murs un peu destructibles, je dirais. Et j'ai oublié de vous parler d'une caractéristique de Yoshi, le saut rodéo. Voilà, c'est bas plus B pendant un saut. Qui normalement permet de détruire ceci. Bon, je pouvais pas me montrer là. Voilà, et là, c'est parti pour un niveau un petit peu chiant. Parce que, bah voilà. À chaque fois, c'est ça charge. Enfin, c'est au moins 3 là, tu as découvert ce secret. Merci beaucoup, jeu. Mais je l'avais déjà vu. Donc, ok, donc là, ça sert pas. C'est un peu chiant. Hein, on ne va pas se le cacher. Ah, de l'autre côté. Là, il y a un anneau de checkpoint qui me rajoute 10 secondes à chaque fois. Important à savoir. Alors ça, qu'est-ce qu'il nous dit? Appuyez sur start au fichier, oui, le score, etc. Alors là, vous voyez déjà... Alors ça, ce sont des items... enfin, des pouvoirs qui permettront à Yoshi de se transformer. Oh mon dieu, mais que se passe-t-il? Yoshi devient avion, mais cela est hélas pour un temps limité. Ah. Et bien sûr, si je me fais toucher, ben je perds un peu de temps et je tombe. Il se passe quoi là-haut? Ok, il y a ça avec ça à prendre. Allez, j'y crois à mort. Ouais, là déjà j'ai du temps. Je ne sais pas combien de temps exactement j'ai. Pour chaque transformation, mais il y a un timer. C'était nul. C'était re-nul. C'était très moche ce que j'ai fait. Ça par contre, c'était assez osé. Ne le faites pas. Sauf si vous avez la confiance, bien sûr. Donc là, c'est plein de pièces. Là, on passe. Tac. Peut-être un niveau bonus avec de la chance. Ah oui, niveau bonus. Mon bonus et challenge, ça dépend comment ils le disent. Enfin bref, donc les niveaux bonus. Je ne peux pas les. Putain, je peux pas passer ce tableau des scores. 76 points, c'est 7 points de mieux que le niveau précédent. Donc le niveau bonus. Donc gratter 3 cases. Voilà. Les jeux grattés évidemment sont dangereux pour les mineurs. Celui-ci, c'est un. Un mec raté, enfin c'est un ennemi donc c'est pas bon. Celui-ci c'est un, bah c'est la même chose hein. Celui-là c'est, putain c'est pareil et je suis trop doué. Magnifique. Ah c'était très beau ce que je viens de faire. Ah je pense qu'on peut pas faire mieux. Hop là, troisième niveau. Donc là, nouveaux ennemis. Et en fait, je vais m'arrêter au niveau 1-4 parce que je vous laisse la surprise pour la suite. Voilà, les mini piranhas. Mais à chaque niveau, ça va aller de plus en plus vite. Bon, je suis en train de faire ça, voilà. Alors ça, saut rodéo pour détruire. Plein de secondes. Ah, des petits piranhas pour des œufs. Donc je disais ça c'est destructif avec les œufs et avec le saut rodéo normalement. Et ces poteaux aussi. Voilà. Et vous voyez il y a des objets de cachet dedans. Hop là. Et comme ces niveaux sont des grottes, et ben c'est super chiant. Ah là déjà vous voyez il y a un truc. Là vous voyez il y a une maison, sauf qu'il faut une clé. Et bien ces maisons, ce, il me semble que ce sont les niveaux bonus. Et les plans de piranha, ça vient comme des pissenlits. Et putain de nom de dieu, de nom de dieu, de nom de dieu. Redonne-moi des secondes s'il te plaît. Ah je, voilà, des secondes. Même pendant que bébé Mario est dans la merde.
c'est toujours ça de prix. Voilà. Alors par contre la clé elle est là-haut. Donc je vais essayer de choper la clé et de vous montrer ce que cache. Merde, elle... putain elle est passée où? Elle est là. Ah putain elle bouge. Non. Voilà, j'ai la clé. Voilà, et lorsque vous touchez aussi les ballons, bah ça les explose. Plein de secondes. Viens par là toi. Donc j'ai une clé, je vais retourner à la maison qui était fermée. Qui normalement est juste là. Hop, en faisant flèche du haut. Je la débloque et j'entre. Alors, partie de ballon effectue correctement la séquence dans la partie, balance le ballon à l'adversaire. Celui sur lequel le ballon crève et l'autre perdant. Attaque B, Y, X. Donc c'est assez chaud hein. Donc normalement les premiers sont. Les premières séquences sont assez simples. Voilà. Alors ça peut durer un bon gros moment. Hein. Mais je crois que la balle augmente à chaque. À chaque passe. Ouais, j'ai une petite seconde d'hésitation. C'est passionnant comme vous voyez. Mais bon. Ah putain, c'était Y. Ah, j'ai fait B. Zut. Bon, dommage. Et donc ça a débloqué un bonus et à chaque fois quand c'est fermé, il y a un petit petite croix. Merci de me rendre. Il y a une petite croix qui signifie ah ah tant pis, c'est trop tard, va te faire. Hop, des secondes. Ah, je gagne un one up. Ah, cool. Ah, je n'ai plus d'œuf. Voilà, je fais des choses bizarres. Mais c'est drôle. Oh, wow, wow, qu'est-ce que tu fais? Normalement je peux le passer. Si. Ça passe. Un one-up gratuit. Voilà. Et tac. Bon, j'ai zéro fleur, c'est pas grave. Dommage, j'aurais pu tomber sur un niveau bonus. Encore une fois. Et nous allons attaquer à la dernière partie de ce test. Enfin de ce rétro même. Le château. Avec un boss, évidemment. Entre de gros Bélixos. Référence, évidemment, à peut-être Obélix. Donc là, c'est des œufs. Alors, quand c'est jaune, ça veut dire que c'est œuf unique. Alors écoutez bien la musique par contre. Les premières notes me font penser à un Zelda perso. Les poum-tin-tin, poum-tin, poum-tin-tin, poum-tin. Et oui, je ne l'avais pas vu. Magnifique effet de 3D si vous voyez bien par contre.
Donc là, bon, petit piège. Autre piège. Pour l'instant, les pièges ne sont pas très importants. Si ce n'est ceux qui vous raplatissent avec ces putains de murs. Alors là, normalement, ça passe à travers ces plateformes. Non. Très bien. Alors, ça, ces ennemis, donc. Un sorodéo pour les mater. Oh putain. Avec un œuf, ça marche aussi. Ça fait redescendre les bulles. Putain. Ah, c'est la mort. Et c'est le game over. Enfin, c'est la vie perdue même. Magnifique animation. On refait le même niveau, effectivement. Et cette fois, on va rusher un petit peu. Cette fois, je vais le faire avec les œufs, ces ennemis. Ah bah ça marche. Ça marche tellement mieux en fait. C'est con. On aurait dû y penser de suite. Et voilà. Tac, on court. Il y a des murs qui vont s'affaisser, je pense. Ah merde. Putain de bloc. Non, donne-moi des œufs. Beaucoup d'œufs. C'est bon, parfait. Ah, et là arrivent les phases de plateforme avec la lave. Sinon, c'est pas drôle. Surtout qu'il va y avoir un ennemi un petit peu chiant dans cette lave. Normalement, à ce niveau du jeu. C'est quoi? C'est des pièces? C'est des pièces. C'est nul. Ok, donc ça servait à rien, mais carrément. Ah voilà, vous voyez ses yeux là? Vous voyez ses yeux? Vous voyez ses yeux innocents et... Ses yeux innocents? Et ben c'est cet ennemi qui se cache dans cette lave. Vous voyez cet ennemi? Attention! Attention, il va venir! Vous l'avez pas vu. Donc je vais essayer de le faire revenir. Normalement il va repop. Voilà. Attention. Oh non, ça c'était un petit. Alors là, attention. Oh la prise de risque. La prise de risque. La prise de risque. Ici. Oui, je l'avais vu effectivement qu'il y en avait une. Hop là. Hop là. Bon là il y a une clé, je vais pas me faire chier à la prendre. Ah oui, là il est là, il est là, il est gros, vous l'avez vu derrière moi, je vais quand même vous le montrer. Voilà, il est là. Couché. Un pot de fleurs. Effectivement, c'était un pot de fleurs assez étrange. Donc là, deuxième niveau bonus. Ça passe de la justesse. Ah, c'est un nouveau bonus. Ou alors un raccourci. Un des deux. Ok. Couché. Une porte. Ah non, c'est la porte du boss. Génial, j'ai envie de dire. 30 secondes maximum, évidemment, pour battre le boss. Alors là, vous voyez, direct dans l'ambiance. Ça alors, Mekamek est là. Et va intervenir avec sa magie. Hey Yoshi, mon joli, si tu veux t'en sortir, des amis Bélixo. Il répand un sort magique. Mais qu'est-ce que ce sort veut faire? Voilà, ce sort fait ceci. Et remonte bien sûr son habit, parce que sinon, pas de style. Donc, évidemment, il y a des frames d'invulnérabilité. Alors, hop. Hop, on court, on attrape les œufs. Voilà, on prend les œufs évidemment. Là c'est la moyenne, là c'est safe ce que je suis en train de faire. Ah,
Par contre, ça c'était pas safe du tout, c'était franchement de la merde. Voilà. Allez, bam, le petit rebond. Magnifique. Et c'est déjà la fin. Donc voilà, c'était un boss assez simple. Oh là là, de la magie, il explose. Enfin, oh là là, il explose même. Et c'est fini. Voilà, voilà. Ce boss aura duré une petite minute. Voilà, voilà, c'était très intéressant. Et bah, cela conclut ce petit rétro sur Yoshi Island 2. Enfin, Super Mario World 2 Yoshi Island. Comme il l'appelle si bien. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. N'oubliez pas, comme d'habitude, ROM Station qui est gratuit dans la description. Ça prend quelques minutes à installer, c'est totalement gratuit, blablabla, etc. N'oubliez pas à commenter, donnez-moi des idées de jeux rétro à faire. Ça pourrait être intéressant que vous participiez, de liker, de partager, de me donner vos ressentis sur ce jeu si jamais vous l'avez fait dans votre enfance, de vous abonner à YouTube si ce n'est pas déjà fait, de liker les playlists, de regarder les autres vidéos, de me suivre sur Twitter @reus1. Bon jeu et à la prochaine.